vous me dérangez. Maman. Oh. Non. Maman. Ils vont tous vous tuer. Maman. C'est pourquoi ? C'est Polly qui m'envoie. Entre ! Ok, petit. Qu'est-ce qui t'amène ? Je viens de la part de Polly, j'ai besoin d'artillerie. Polly, ouais, et je le connais. Enfin, je crois bien, un petit nerveux, et c'est ça. Ouais, on peut dire ça. Il bosse toujours pour Salieri ? Ouais. Transmets mes amitiés à cette vieille fripouille. Pas de problème. Et pour les flingues ? Ok. De quoi Polly a besoin ? Tout. Parfait. Alors je te retiens pas, fiston. Et salut bien Polly de ma part. Ok, merci. Jamais vu ce genre de serrure. Fichez le camp!
laissez-moi tranquille. Occupez-vous de vos affaires. Désolé, mais je suis très pressé. Occupez-vous de vos affaires. Désolé, mais je suis très pressé. Salut Lucas, il me faut une bagnole puissante, et vite fait. Tommy, j'allais justement t'appeler. Faut que tu me rendes un petit service, mais la bagnole en prime vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai promis une livraison à un mec, mais je peux pas quitter le magasin aujourd'hui. Tu peux t'en charger ? Ok, mais j'ai jamais fait de livraison. Fais gaffe que rien n'arrive au mec avant que tu lui donnes. Il doit le refiler à quelqu'un d'autre, et s'il lui arrive un truc, toute l'affaire tombe à l'eau. Et y a des risques de problème ? On sait jamais, tu sais. Et où je le trouve, ce mec ? Sur le terrain situé sous le pont basculant qui mène au centre. Il s'appelle Dick. Avant de lui refiler, vérifie que t'as pas été suivi. Tiens. Désolé, mais je suis très pressé. Fichez le camp ! Laissez-moi tranquille. Vous me dérangez. Vous m'importunez, arrêtez. Occupez-vous de vos J'ai affaires. J'ai pas le temps. Non. Salopard, tu vas mourir, tu vas mourir. Fils de traîné, je vais mettre mon nom sur ta tombe. Fichez le camp!
Je vous connais pas. Vous me dérangez! Je n'ai pas le temps. Vous me dérangez. Désolé, mais je suis très pressé. C'est toi, Dick? Mon nom, c'est Big Dick. Elle est bien bonne. Lucas m'a donné ça pour toi, Dick. Super, t'as pas été filé? Je crois pas, non. Ah ouais, alors c'est qui ces mecs? Merde! Va falloir se les faire, mon pote. Au boulot, Big Dick. Vous êtes foutu, mon Montre-toi! T'es moins mou que ton ami. C'est comme toi? Comment ça? Rien, laisse tomber, prends du bon temps. Big Dick. Ok, transmets mes amitiés à Luca. Occupez-vous de vos affaires. Mmh.
Lucas, j'ai eu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai débarqué là-bas, des mecs nous sont tombés dessus. Dick va bien? Tu lui as donné le paquet? Ouais, pas de problème. On s'est occupé des mecs ensemble et il a embarqué la marchandise. Formidable. Je te dois vraiment une fière chandelle. J'ai une petite beauté pour toi. Une américaine fabriquée par une firme allemande. De nos jours, il n'y a pas mieux. Ok, je suis sûr que ça vaut le coup. Où elle est? J'ai entendu causer un client. Aujourd'hui, en ce moment, il part du lycée d'Oakwood pour un meeting sur Central Island. File-lui le train et quand il sera garé, embarque juste sa bagnole. Ton seul problème, c'est les serrures. Mais je sais que tu t'en tireras. Merci Lucas, j'y vais. Bonjour, qu'est-ce que ce sera? Le plein, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Votre plein est fait. Merci, Lucas. Attention!
descend tout de suite. Cinglé, mais il a du bon matos. Pourquoi on le surnomme Yellow ? T'as pas vu ses dents ? C'est les plus jaunes de la ville. Et elles puent pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Ok, on entre.